Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous consacré au bouddhisme. Désormais, tous les dimanches matin, à la même heure, des invités et des reportages tenteront d'approfondir ce qu'est cette tradition qui séduit de plus en plus de personnes par son éthique et par sa modernité. Alors, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Lama Denis. Lama Denis, vous êtes l'un des héritiers spirituels de Kalu Rinpoche, grand maître tibétain de ce siècle, et vous êtes également supérieur de la congrégation bouddhiste Karmaling en Savoie. Pour votre part, Roland Reich, vous pratiquez le zen depuis 72, vous êtes moine depuis 74, vous avez été l'un des principaux disciples de maître d'Ishimaru et vous êtes actuellement vice-président de l'association Zen International. Et puis vous, Jacques Martin, vous êtes universitaire et président fondateur de l'UBF, l'Union Bouddhiste de France, depuis 86. Alors Jacques Martin, l'UBF est à l'origine de ces émissions. Pouvez-vous nous définir tout d'abord ce qu'est l'UBF ? Eh bien, l'UBF est une fédération qui a pour objectif principal d'organiser la communauté bouddhiste de France et de donner aux bouddhistes de France, au monde bouddhiste, une voix par rapport au pouvoir public, aux institutions universitaires, humanitaires et religieuses. Alors, vous participez à des instances comme le Conseil de l'Europe. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste ? Oui, l'Union bouddhiste de France a mis sur pied, mis en place différentes commissions, dont une commission modernité. Et à ce titre, elle a été consultée par le Conseil de l'Europe dans le cadre d'une vaste enquête sur la bioéthique. Alors on peut peut-être rappeler le nombre de bouddhistes en France ? Oui, le nombre de bouddhistes en France est d'environ 600 000, dont 350 000 réfugiés asiatiques et 250 000 français de souche et par acquisition de nationalité. Qui peuvent pratiquer dans un certain nombre de centres ? Oui, inversement, si le nombre de réfugiés asiatiques est plus important, le nombre d'associations, je dirais, fondées par des Français de tradition tibétaine et zen est très important, plus important. Alors, cette émission est une première européenne, voire mondiale. Alors, comment se fait-il que la France soit à l'origine d'un tel projet ? Je pense qu'il y a une grande histoire d'amour entre le bouddhisme et la France. Mais en étant plus objectif, plus concret, il y a eu effectivement une vague de réfugiés très importante en France et la venue de très grands maîtres, dont Maître d'Ishimaru et bien sûr Sa Sainteté, le Dalai Lama. Merci. Alors, on a beaucoup parlé de mode à propos du bouddhisme. Qu'en est-il réellement ? Nos invités reviendront sur cette question dans quelques instants. Mais auparavant, écoutons Dakpo Rinpoche, grand maître tibétain de la tradition Gelugpa, qui connaît bien la mentalité occidentale puisqu'il réside en France depuis 1960. C'est vrai, vous avez raison de parler de mode parce que moi je croyais, si au départ je croyais, c'est une mode, vous voyez, pour pouvoir dire que je suis initié, etc., etc. Finalement, en constatant, donc finalement, ce n'est pas selon ça, mais ça, j'ai l'impression que ça correspond à quelque chose de très profond. C'est une sorte de recherche très sérieuse, je crois. Si c'est des modes, ça ne durera pas longtemps, n'est-ce pas ça? Je ne sais pas ça dure combien de temps, les modes, mais l'intérêt pour le bouddhisme, ça fait depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Roland Reich, est-ce une mode ou une quête réelle ? Eh bien écoutez, la pratique du bouddhisme, en tous les cas sous sa forme du zen, correspond à une quête qui existe depuis 30 ans maintenant en France, à partir de l'arrivée de Maître d'Ishimaru. Je crois que c'est une quête profonde de sens. Que le bouddhisme est arrivé en Europe à une époque, donc vers la fin du XXe siècle, à une époque où les gens s'interrogent beaucoup sur le sens de leur existence, où beaucoup des idéologies sur lesquelles les gens ont vécu pendant des décennies ont déçu, et où on a besoin de tourner son regard vers l'intérieur et de retrouver un fondement à notre existence en regardant en soi-même, et notamment à travers la pratique de la méditation, donc qui est l'élément essentiel que le bouddhisme apporte à l'Occident, donc ce regard tourné vers l'intérieur et cet accès à la vérité qui existe en nous-mêmes et dont nous avons beaucoup besoin pour éclairer notre chemin. Ça permet de relativiser un peu les choses ? Relativiser, pas tellement les choses, mais relativiser notre égocentrisme qui est une cause de beaucoup de souffrance et donc de mieux s'harmoniser avec la vérité qui est en nous,
de mieux s'harmoniser avec les autres, de développer un sens de la solidarité avec tous les êtres vivants. Et nous avons besoin de ce contact en nous-mêmes et de ce contact avec, avec tous les êtres. Alors, Lama Denis, pensez-vous que l'exil du Dalai Lama en 1959 ait favorisé la diffusion du bouddhisme actuellement en France ? Parmi les facteurs qui ont joué, oui, mais disons, la venue de sa santé a été relativement récente, et c'est surtout suite au prix Nobel de la paix qu'il a été connu. Mais il est sûr que son image, qui est à la fois celle d'un grand spirituel et d'un chef d'État qui médite et qui a réussi à mener un mouvement paisible pour son pays, est l'exemple du bouddhisme appliqué à des situations concrètes de la vie quotidienne, économique et politique. Et son rayonnement et son génie pour transmettre des idées fondamentales au-delà des façons de parler typées a certainement joué, je le pense, oui. D'accord. Comment peut-on définir le bouddhisme, ce qu'est être bouddhiste? On a entendu beaucoup de choses, on parle de religion, on parle de science de l'esprit, de discipline de l'esprit. Alors écoutons Dagpo Rinpoche qui nous explique ce qu'est être bouddhiste selon lui. En réalité, le bouddhisme c'est donc améliorer ou bien contrôler son esprit mieux, parce que jusqu'à maintenant, nous sommes esclaves de notre certain type de pensée, je veux dire, par exemple, la jalousie, par exemple, la colère, etc. Et donc, sous l'influence de ces genres de pensées, nous faisons des choses qui ne sont pas très justes, qui font mal pour soi-même et pour les autres aussi. Donc, pour pratiquer le bouddhisme, en réalité, on n'a pas du tout besoin d'aller dans un monastère ou bien dans une grotte, même en Inde, etc. On n'a pas besoin. N'importe quel endroit, on peut pratiquer le bouddhisme dans le métro, dans le bus, même dans la cuisine. Donc, même en faisant le ménage, tout ça, on peut pratiquer le bouddhisme. Donc, Lama Denis, finalement, le bouddhisme est basé sur la compassion, c'est aller vers l'autre, aller vers les autres. Il y a, oui, la compassion au sens de l'intelligence du cœur, au sens d'une ouverture, d'une réceptivité, d'une douceur, d'une non-violence, et la base du comportement et de l'éthique bouddhiste. C'est aussi une vision, une intelligence, celle de l'interdépendance. C'est-à-dire que tout est dans le monde et dans l'univers en relation. Depuis ce que nous connaissons jusqu'au monde d'un point de vue scientifique, économique, social. Et c'est aussi une pratique, une façon de se transformer. Et dans une transformation, de s'éveiller à notre nature profonde, simple, hein, à notre nature éveillée, ou de Bouddha, comme nous disons. Alors justement, il y a une éthique, Roland Reich, dans le bouddhisme, je crois qu'elle repose en grande partie sur la compassion. Est-ce que c'est un des aspects qui séduit les Occidentaux aussi ? Oui, je crois que nous sommes arrivés à une période où l'éthique, le sens des valeurs, manque de fondement à l'heure actuelle. Et à travers la pratique de la méditation, apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à réaliser à quel point d'une part, nous sommes apprendre à comprendre ses passions, ses illusions, ses ombres, donc apprendre à devenir beaucoup plus tolérant, à mieux accepter les autres, en comprenant la racine de la souffrance en nous-mêmes, la racine de l'attachement en nous-mêmes. Et puis d'autre part, c'est aussi réaliser que finalement, notre ego est quelque chose de tout à fait relatif et que le fondement même de notre existence, c'est d'exister en unité, en interdépendance avec tous les êtres vivants. Et c'est ce qui fonde le sentiment de compassion, c'est cette sympathie, ce fait que nous existons complètement avec. Et l'éveil de Bouddha, c'est l'éveil à la dimension de notre vie où nous existons avec
tous les êtres. Donc dans un sentiment de respect et de solidarité avec tous les êtres vivants. Et cette interdépendance rejoint les grandes préoccupations de notre époque, à savoir l'écologie, la tolérance. Absolument, c'est pas simplement, je crois, une éthique personnelle, mais je crois que c'est une éthique dont la planète a besoin, car il est tout à fait clair que si nous ne développons pas le sens de la solidarité, nous allons vers des catastrophes, aussi bien sur le plan des relations entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi au niveau de l'écologie. Donc il y a vraiment un besoin, non pas simplement de lois extérieures pour créer cette solidarité, mais pour que les gens le ressentent au fond d'eux-mêmes. Autrement dit, le bouddhisme nous fait ressentir en nous-mêmes la racine même de l'éthique, qui rend l'éthique inutile. Si nous vivons à partir de notre expérience de la méditation, de ce que l'on rencontre en nous-mêmes dans méditation, eh bien nous ne pouvons plus créer de dommages autour de nous, nous ne pouvons plus créer de souffrance autour de nous. C'est plus possible. Merci. Alors, l'enseignement se transmet traditionnellement de manière essentiellement orale. Alors, n'y a-t-il pas un risque de dénaturer cette tradition en la faisant passer par un média comme la télévision? Écoutons Dagpo Rinpoche. Tout le monde a le droit de savoir qu'est-ce que c'est l'enseignement de Bouddha, premièrement. Deuxièmement, les bouddhistes même, nous avons le devoir de présenter la pensée de Bouddha d'une manière le plus juste possible. Après, les gens vont étudier, vont voir s'il y a quelque chose qui peut être utile pour eux, ils prendront. Le reste, ils vont laisser. Bon, c'est tout. Le public ne sait pas qu'est-ce que c'est le bouddhisme. Donc, je crois qu'il est très important de clarifier et montrer vrai l'enseignement du Bouddha. Donc, je crois qu'il est extrêmement important de l'expliquer tel qu'il est, c'est tout. Pas plus, pas moins. Donc, en fait, ces émissions seraient avant tout informatives, et c'est ça l'essentiel? Les émissions pourront être une occasion de faire connaître ce qu'est la tradition du Bouddha et de montrer aussi sa réalité aujourd'hui sur le plan national, dans les communautés, et de tisser des liens entre les Asiatiques, les Occidentaux, tous ceux qui s'intéressent aussi à cette tradition. Et nous espérons, au fil des émissions, effectivement, petit à petit, développer des thèmes et pouvoir les présenter de façon la plus claire et intelligible possible. Alors, Roland Rey, je crois que la relation maître à disciple est quand même assez importante traditionnellement. Est-ce que faire passer justement ces messages par la télévision, est-ce que ça peut être dichotomique quelque part? Non, d'ailleurs, maître d'Ishimaru a souvent eu l'occasion de faire des émissions à la télévision. Je crois qu'une émission de télévision est comme un poteau indicateur sur le chemin de vie de quelqu'un qui va tomber sur cette émission et qui saura qu'une voix existe, que peut-être elle la concerne. Mais évidemment, regarder la télévision ne dispense pas de faire le travail, de pratiquer la méditation au quotidien. Simplement, ce qui est important, c'est que les personnes réalisent à travers ces émissions que le bouddhisme n'est pas quelque chose qui existe dans les musées ou dans des pays lointains, ou qu'il faille s'enfermer dans des monastères au fin fond des montagnes d'Asie, mais que ça concerne des gens tout à fait ordinaires qui vont à leur bureau tous les matins et qui avant pratiquent la méditation, ou bien le soir, et font de leur vie quotidienne finalement une pratique de méditation, une pratique de la voix. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter quelques ouvrages, notamment « Le Dharma et la vie » de Lama Denis chez Albin Michel, ou le livre de Roland Reich, « Moine Zen en Occident », toujours chez Albin Michel, ou encore « L'introduction au bouddhisme » de Jacques Martin aux éditions Le Cerf. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez taper le 3615 code France 2 ou nous écrire à l'adresse qui va défiler au bas de l'écran. La semaine prochaine, nous aborderons la vie du Bouddha historique Sakyamuni. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier rendez-vous. Meilleurs vœux à tous. À dimanche prochain.